Bien le bonjour les astros. Alors aujourd'hui c'est le matin, il est à peu près 7 heures et on a la chance de voir sur l'horizon la planète Jupiter et la planète Vénus. Pas si on va pouvoir la voir, mais non, on la voit plus parce que voilà, elle est derrière ce gros arbre. Du coup, moi avec la bête, on est toujours copains hein, tous les deux. Hein, voilà, on a fait un petit dessin de la planète Jupiter. Voilà, juste avant qu'elle ne disparaisse dans les arbres. Alors voilà, je vais vous faire voir le petit dessin. Bon, il est tout petit. Hein. Bon, ben, faut pas faire comme moi, parce que là, comme j'étais pris à dépourvu, j'avais plus de gabarit. Donc, j'ai dessiné directement sur une feuille blanche. Bon, ouais, c'est pas terrible. Donc, on voit le disque de Jupiter. J'ai fait ça assez grossièrement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la position des satellites. Donc, les quatre satellites galiléens, également appelés les satellites médicéens. Donc, voilà la position des quatre satellites. Donc, je vais essayer de repérer un peu le nom de chacun. Pour l'instant, c'est pas évident parce que j'ai pas les éphémérides. Bon bah, voilà les astros. J'ai remis le dessin au propre. Voilà ce que ça va donner. Eh bien, voilà les astros. Bon, c'était une séance improvisée, vite fait, bien fait. J'espère que vous avez apprécié. Et enfin, si vous vous levez de bonne heure le matin pour aller au taf, ou tout simplement parce que vous avez envie de faire un peu de sport ou vous regardez la télé, bah, jetez un coup d'œil hein, horizon sud-sud-est, hein, juste avant le lever du jour, vous verrez deux planètes, deux belles étoiles, enfin deux points brillants très 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 lumineux. Hein, toutes les autres étoiles ont été éclipsées et effacées par le Soleil, les lueurs du Soleil. Il reste deux petits points. Ce sont les planètes Vénus et Jupiter. Vénus, le plus proche de l'horizon, hein, puisqu'elle se rapproche du Soleil après avoir atteint son maximum le 22 janvier. Elle se redécale vers le Soleil parce qu'elle va passer derrière le Soleil. Voilà, elle replonge vers le Soleil, comme on dit. Et puis Jupiter, elle continue à filer direction plein ouest. De sa course. Allez, moi je vous dis les astros, à très bientôt et gardez l'œil à l'oculaire!